frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. Voici une prière pour débuter toute prière de délivrance et de protection. Je me place au pied de la croix de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu venu dans la chair, et je me couvre de son précieux sang. Sa lumière m'enveloppe. Je réclame sur moi et sur tous ceux qui sont ici la protection du sang de l'agneau de Dieu. Que le sang de l'agneau nous purifie de nos péchés et de nos fautes et nous protège de tout mal, de toute attaque et de toute influence de l'esprit des ténèbres. Que le sang de Jésus recouvre également ma famille, mes amis, mes relations, ma maison, mes biens et tout ce qui m'appartient. Que l'Esprit de Dieu me couvre du bonheur de sa toute puissance, qu'il manifeste la victoire du Christ en ce lieu, qu'il éloigne de nous Satan et empêche tout esprit démoniaque perturbateur de se manifester. Que tout ce que nous dirons et ferons vienne de l'inspiration et de la motion du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, par ton nom très saint, par les mérites de la très sainte Vierge Marie et l'intercession de tous les saints, de nos saints patrons et de nos anges gardiens, préserve-nous de tout danger et de tout maléfice de la part des mauvais esprits. Que la Vierge Marie nous couvre de son manteau de souveraine maîtresse des anges et nous introduise dans la victoire du Christ ressuscité. Saint Michel Archange, défends-nous dans ce combat, sois notre secours contre la méchanceté et les embûches des démons. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nuire à qui que ce soit ici présent. Je revais l'armure de Dieu pour résister aux manœuvres du diable, équipé de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, m'avançant avec zèle pour proclamer l'évangile de la paix. Coiffé du casque du salut, protégé par le bouclier de la foi, grâce auquel je peux éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Armé du glaive de l'Esprit Saint, la parole de Dieu, pour attaquer la place forte de l'ennemi. Les mains levées pour la louange et l'adoration de mon Dieu, je prends position sur le champ de bataille, intrépide comme David, marchant contre Goliath, au nom du roi des rois, Jésus le victorieux, qui siège sur le trône de Dieu le Père. C'est pourquoi, en raison de mon autorité de chrétien, disciple de Jésus, je vous interdis, esprit diabolique, esprit impur, de parler à travers quiconque ici présent. Je remets la conduite de cette réunion à la seule direction du Saint-Esprit. Amen.